La cour d'école, c'est un espace marquant pendant tout le parcours scolaire de l'enfant. Il y a des vies qui sont transformées en bien ou en moins bien à cause de ce qui se passe dans la cour d'école, puis dès l'âge de 5 ans. Plus tard, à l'adolescence puis à l'âge adulte, on se souvient encore de ce qui s'est passé dans la cour d'école au primaire. Et ce qui se passe là, ça va faire de nous les adultes que nous serons plus tard. L'importance de la récréation, c'est vraiment de permettre à l'enfant d'avoir des moments de pause dans sa journée pour décompresser. Le jeu permet aussi d'évacuer le trop-plein académique qu'il a en tête, donc d'être capable de se retrouver avec ses amis, de créer des petites aventures, des histoires, de s'inventer des règles de jeu. Je pense que c'est bénéfique aussi pour le développement de l'enfant, parce que c'est tout le social qui est primé dans la cour d'école, puis c'est ce qu'il ne faut pas oublier non plus, là. C'est sûr que dans les cours d'école aussi, on a besoin d'une organisation de base parce qu'on a 100, 200, 300 enfants qui se retrouvent parfois dans un espace plus ou moins restreint. Mais que l'enfant puisse bénéficier d'une autonomie là-dedans, dans le fond, c'est la meilleure organisation possible, la plus minimale possible pour laisser les enfants et des enfants faire des choix, avoir du plaisir, les entendre rire. Le petit bruit de fond d'une cour d'école, c'est toujours joyeux. La cour d'école idéale, je dirais que c'est une cour d'école où il y a une variété de revêtements de surface. C'est aussi une cour d'école où il y a une variété d'activités possibles, des activités seules, en petits groupes, des activités collectives. Donc, de permettre aux enfants d'avoir plusieurs endroits, par exemple, pour jouer au soccer, pour jouer au ballon chasseur, pour faire de la gymnastique. Les enfants sont libres de choisir ce qu'ils veulent. Et ça m'amène à dire aussi qu'une cour d'école idéale, c'est une cour d'école qui répond aux besoins des enfants. Donc, il faut les sonder d'abord avant de pouvoir leur offrir la cour d'école. Et c'est une cour aussi qui leur donne suffisamment d'espace pour être un enfant. Donc, quand on a de l'espace, on peut s'épanouir davantage aussi, là. Donc, nos prochaines étapes, ça va vraiment être d'attaquer ce gros bout-là qui est la cour d'école, donc des plus vastes espaces qui permettent de courir, etc. Des sections de ta cour dédiées au baseball, au soccer. Les premiers utilisateurs de la cour d'école, c'est les enfants. Il faut savoir qu'est-ce qu'ils aiment dans leur cour d'école, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas, qu'est-ce qu'ils aimeraient. Si vous pouviez changer quelque chose dans votre cour d'école, ajouter, enlever, toi, qu'est-ce que tu ajouterais ou enlèverais? J'ajouterais des paniers de basket. Qu'est-ce que vous faites sur le L? Vous jasez? Ben, parfois, ça compte des ciseries. Oui, on joue souvent. Fait que c'est important de leur donner une voix, de leur donner du pouvoir aussi. Du pouvoir, c'est de leur donner de la chance de s'impliquer de différentes façons parce qu'ils ont des merveilleuses idées. Tout est plus gros quand on est plus petit. Le module de jeu, la structure de jeu va être plus grosse. La table de pique-nique va être plus grosse. Le banc qu'on met est plus gros. Est-ce qu'on peut faire une cour d'école à échelle d'enfant? Si l'enfant est bien, s'il est en sécurité dans son environnement, il va être davantage disposé à apprendre. Donc, c'est vraiment l'essence même de ce que devrait être le lab école, en fait. Contribuer à la réussite du jeune par l'environnement qu'on va créer autour de lui. Ce qu'on voulait par cette rencontre, c'est de rencontrer les gens qui l'ont initié, ce projet-là, puis aller chercher probablement des bouts de votre réussite, puis de l'amener dans notre lab école. Personnellement, dans ma vie, j'aime ça. J'aime pas ça être dans un endroit fermé. Puis j'ai pensé que pour les enfants, ça serait aussi un peu pareil. Ceux qui préfèrent ici que dans l'autre salle sont super heureux, sont contents, ils regardent dehors, c'est super. Là. Donc, on reprend le parcours, on monte notre meilleur, là on est à notre affaire. Ce qui m'a marqué de cette rencontre, c'était que tout était fait en partenariat. Donc, la commission scolaire avec les architectes qui ont conçu les plans, les enseignants, la direction de l'école. Parce que le lab école, c'est exactement ça, c'est de la collaboration entre tous pour s'assurer qu'on manque aucun élément. Les éléments, c'est bien entendu les gens qui vivent à l'intérieur, ceux qui l'utilisent. On a une belle grande discussion d'adultes. Qu'est-ce que les enfants, les élèves en disent? Vous l'aimez, votre école? Oui! Des gymnases, comment vous l'aimez grand? Extrêmement plus gros que ça! Ah ouais, hein? Donc ici, on a une salle de psychomotricité. Puis quand on pose la question aux enfants, qu'est-ce qu'ils aiment le plus? C'est la récréation. Oui. Donc c'est plate. Quand ils arrivent sérieux, ils n'ont plus grand-chose à faire. Donc ça, je sais qu'ils s'amusent beaucoup, on le voit là. Oui. Comment on pourrait recréer ça à l'extérieur? C'est beaucoup plus qu'une salle d'activité physique. Ouais, je comprends. C'est une salle de maturation psychologique. Ouais. C'est vraiment un endroit où les enfants apprennent à mûrir à leur rythme, à vieillir, à accepter les règles de société, à gérer leurs conflits. L'enfant, fondamentalement, il aime bouger. Puis nous, par nos règles, on les empêche de bouger. Il faut ramener le jeu puis le plaisir, qui sont tout le temps là dans l'ADN des jeunes.
on est en train de faire un lien beaucoup avec la réussite scolaire aussi. Donc, un enfant qui a accès à ces moments de pause-là, qu'il soit à l'extérieur idéalement, mais aussi à l'intérieur, quand il pleut, il fait froid, plutôt que les laisser assis à leur chaise, à leur table, c'est vraiment de leur permettre de bouger, d'être actifs. Quand la cloche va sonner, il va entrer, il va être prêt déjà aux apprentissages qui vont suivre. Okay. Fait que c'est un gain pour l'enfant. Puis d'autre part aussi, c'est un gain pour l'enseignant. Puis ça, on le voit pas toujours au premier abord, mais si l'enfant a eu du plaisir à la récréation, il n'y a pas de gestion disciplinaire à faire au retour de la récréation ou au retour de la pause du midi, là, c'est génial. Puis je pense que de toute façon, au niveau du monde de l'éducation, c'est reconnu que le jeu est important, bénéfique et gagnant, parce que même au niveau des classes, dans les différentes matières, on apporte beaucoup d'activités d'apprentissage sous forme de jeu. Mais il y a une intention derrière ça. Ce qui est le fun, c'est que dans la cour d'école, l'enfant, il sort puis il joue tout simplement. Puis je dirais que pour moi, c'est plus qu'important, c'est vital. D'ailleurs, être un enfant, c'est jouer. C'est la nature fondamentale de l'enfant, le jeu.